Après, bon Dieu avec nous. Amen. 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 Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. C'est somme temps. Bien, Amen. bienvenue, la paix, bonne soirée avec nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur matin, nous disons merci. Le privilège lui accordé nous, nous dormir, nous lever, nous dans le 9e mois et dans le 9e jour. Et nous disons Seigneur merci. Il y a des gens qui ont un privilège pour le mois septembre, mais nous-mêmes, le Seigneur fait ça pour nous. Il va passer nos plus beaux passés, non? Mais parce que le Seigneur fait nos grâces. Peut-être ça matin, nous sommes tellement reconnaissants, ça fait nous lever très tôt pour nous capables d'adorer, de dire merci, bali, tout ça le mérite. Pour nous commencer, avant nous aller à la prière, pour nous faire prière de confession, pour nous inviter le Seigneur, nous avons chanté. Parole chère que nous joignons, 25, section française. Père, toi, montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire était bien fait. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, ta gloire était bien fait. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom, ta gloire était bien. Nous pour aller laisser tête nous dans un moment ça, nous pour aller confesser ce péché nous. Et nous allons remercier le Seigneur pour soirée là. Et nous avons invité lui, parce que c'est lui-même qui a invité l'honneur, nous. C'est lui qui a été, nous. Nous allons demander pour prendre possession que ce matin qu'il nous va offrir. Lui. Mais avant de nous offrir, prier nous, pour nous intercéder, pour fraction nous. Nous allons écouter le matin avec la vie, nous. Nous allons demander pour mettre nous en condition. Et longtemps,
avant nous te présenter devant Seigneur, nous avons besoin d'un souverain sacrificateur qui doit présenter péché nous pour nous. Le Seigneur a accompli ça pour nous à la croix. Ce matin, nous vient de baptiser moi-même, on a le côté de Dieu pour nous demander le pardon. Après, nous-mêmes, on a peur de côtoyer ce matin, on a pris bicyclette ou on a passé dans la vie. On fait qu'il n'est pas bon. On pense qu'il faut. On va le côté de lui, on va demander le grâce. Seigneur, nous bénissons. Nous disons merci au Dieu Trinitaire. Nous invitons au matin et dans le moment que nous allons passer dans la prière et dans l'ouange et dans la méditation, nous bénissons Seigneur. Nous disons en première place, quand même lorsque nous avons passé tout le moment, ça, toute la journée, Seigneur. Je ne sais pas où même qu'avec nous. Sans vain, nous allons faire le Seigneur. Mais la commande au bon du même champ où tu es ensemble avec Élie, le Seigneur grand et défi ça devant où tu es accompli et ça où tu es pour faire pour lui et tout le monde qui pas connaît, t'as prêté ta bouche à l'Éternel qui est Dieu. Et bien, matin, Seigneur, nous invitons ou pour capable faire merveille dans le moment que nous va passer là, Seigneur. C'est un moment ça. Au moment que nous pas de chambre qu'on est nous beaucoup jamais touché dans l'histoire et ministère ça et nous approcher avec la vie nous bon Dieu n'a demandé bon Dieu pour mettre nous en condition parce que pas recevoir n'importe louange ou pas recevoir n'importe prière pour capable agréer pour capable prendre nous doit en condition et bien n'a demandé bon Dieu même Jean David te dit la ville foubile avec un branche isof, le matin à la mando, pour la vie nous, ou foubile nous, ou blanchir nous, ou mettre nous en condition, Seigneur, pour nous capables de faire service, ou mettre nous en condition, pour nous capables d'intercéder pour l'autre, pour prier au capable efficace, pour que nous-mêmes, Seigneur, la vie nous, mon Dieu, agréable devant. Aidez-nous, matin, Seigneur, on va marcher dans la crainte, car nous gagnons et notre Dieu nous gagne verser ça qui n'a proclamé pendant le mois septembre, c'est le mois de la crainte de l'Éternel. Aidez-nous, Seigneur, pour sujet ça avant de nous présenter nous-mêmes personnel, nous étant vivre dans la vie, nous bénis servant au matin, qui gagne notre Dieu pour méditer sur ce sujet ça, Seigneur. N'a demandé va passer dans le cœur de la paille, bon Dieu, va remplir le Seigneur avec puissance Saint-Esprit, va laver, le, va oublier le Seigneur, on va mettre dans la condition chaque parole, on va mettre sous seul pour nous-mêmes, Seigneur. Parole, ça va capable de faire effet dans la vie, nous. Non seulement nous sommes passés dans la vie, parle, il fait effet, mais dans nos côtés, dans nos candelles, nous recevons, il fait effet dans la vie, pas nous, bon Dieu. Nous demandons de rentrer avec grâce, de rentrer avec puissance, bon Dieu. Nous demandons d'aider-nous, Jésus, pour nous capables. Oui, Dieu, nous bien grands, dans le monde, ça vous nous sentir que vous pas loin pour retourner. Le moment pour nous, chaque jour, chaque seconde, pour nous aider, marcher dans la crainte et dans la sanctification dans la sainteté, Seigneur. Et bien, nous avons crainte pour bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de marcher dans la sanctification, Seigneur. Nous demandons au matin. Aidez-nous, Seigneur. Enseignons parole, bon Dieu. Aidez-nous pour nous faire bon dépôt. Aidez-nous pour nous capables d'appliquer parole, Seigneur. Laisse-nous parler, laisse-nous dire un bagage, laisse-nous prêcher un message pour nous-mêmes pour nous appliquer dans la vie, nous. Pas seulement. Et des gens, tant que les gens qui ont des machines dans un pays, et puis ils ne sont pas dans une zone, dans bon Dieu. Je demande au matin, Seigneur, passez dans la vie, nous, blanchis-nous, lavez-nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de lutter la caille dans la crainte et dans la sanctification. Nous invitons au Dieu Père, nous invitons au Dieu le Fils, nous invitons au Dieu le Saint-Esprit. Papa, ensemble avec nous, matin, priez-nous, à nos péchés, nous. Au nom de Jésus. Amen. Lavez ma gloire.
Oublie ma parole vivante, pour me servir, bon Dieu vivant. Tout autant moins rester vivant, oui, la vie, laver ma gloire. Oublie ma parole vivante, pour me servir, bon Dieu vivant. Tout autant moins était vivant, oui, la vie, la vie, ma gloire vivante. Oublie ma parole vivante. Pour me servir, bon Dieu vivant, tout autant mon air était vivant. Bienvenue, Saint-Esprit, mène-nous présent, mène-nous à puissance sous. Vine bienvenue, Saint-Esprit. Mène-nous en présence, remplis la puissance, vine Kabari béni ou, mando pour remplir avec grâce ou, pour remplir avec puissance ou, pour capable de parler directement, mando ou même Seigneur, même lorsque tu as fait 5 minutes la parler, mais pour parole, ça ou, capable parole qui touche nous, parole ça capable entrer dans toute zone, parole ça capable faire effet sur la vie nous, capable transformer nous, mettre nous dans l'autre direction, matin Seigneur, nous, mando ou pour capable. Merci pour le ministère ça matin qui chaque 3 jours dans la semaine pour nous capables de réveiller l'âme nous, pour nous capables de réchauffer l'âme nous, bon Dieu, chaque matin avant nous départ, avant nous sortir, pour nous capables d'entrer dans le bouillon spirituel ça, nous demandons pour quitter le mouvement ça en vie, Seigneur. J'ai des bénédictions encore en abondance pour nous. Bénis-nous, Seigneur. Nous réclamons grâce. Nous réclamons victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis-nous, le Seigneur. Nous venons un moment où nous avons le temps de méditation. Nous sommes de coucher. Si ça, vous capable d'entendre ça. Le Seigneur va vous aider. Vous allez dans le servante. Le matin. Je me la paix, bon Dieu, avec vous. La paix, bon Dieu, à vous, c'est Alicia. Amen. Yes, que bon Dieu bénisse. Amen. Que bon Dieu bénisse, mon sauveur, bientôt. Amen. On salue tout le monde. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Seigneur, merci pour nous tous. Avec nous,
Nous remercions l'Éternel qui levait nous matin. Sound mind, right spirit, nous tout bien dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. T'aimes nous matin, depuis semaine, depuis mois à commencer. Nous joignons dans Proverbe 28, verset 14. Et nous te passons semaine que pasteur t'es passé dans tout genre pour nous, pour te diriger nous aujourd'hui, pour nous faire plus ou moins à l'aise, pour nous te comprendre. Terme, et aujourd'hui, à nous chaque bon mot, là-dedans, même si nous ne pas parler, mais nous chaque bon façon nous comprendre à travers de tout développement qui te gagne depuis semaine passée. Proverbe 28, verset 14, thème du mois, dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Moi, appuyer texte là avec verse qui supporte là, c'est nous venons Proverbe 2, verset 4 à 5. Qui dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est lui nous gagne comme thème. Nous gagne un mot, ne crains point que nous te apprendre dans dernier jour nous avons développé que lui 103 fois dans français dans la Bible. Mais en anglais, il dit fear not ou je n'ai 365 fois. Ou gagne fear not 365 fois dans la Bible pour 365 jours. Et c'est-à-dire que chaque jour levé, ou bon fear not avec vous. Whatever problème ou gagne, tristesse, attaque, challenge, all kind. Nous connaissons ennemi chaque jour le vinyle, toujours bon bagage, il mettait sur vous. Non. Quitte nous connaître, quitte nous pas connaître. Il dit, fear not, ne crains point. Il dit, il est là pour le délivrer ou bien pour le traverser avec ou dans la détresse, ou bien pour toujours avec ou pas plaguer ou. Nous jouons un thème antagonique avec verse dans Proverbe 28, verset 14. Il dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Pour réellement comprendre le verset, hein? Pour comprendre le mot, crainte là, on doit placer dans le contexte où je viens, pour jouer réellement signification avec vérité de la vie, la donner. Parce que, les commencer par heureux, ouais, crainte là, dans le contexte, il tombe là. Hein? Il traduit par une attitude de révérence, respect, honneur et obéissance à Dieu. Il n'est pas traduit par un sens de menace ou bien punition, représailles. Là où est mon crainte dans la dame. Yes, bon crainte envers Dieu. Ou doit gagner. Lors, vous voulez rester dans le right standard avec lui. Il dit, yes, bon crainte, vous devez gagner pour être sur le chemin de la droiture. Yes, bon crainte, vous devez gagner pour être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et yes, bon crainte, vous devez gagner pour ne pas tomber dans le compromis. Tout la crainte, ou vivre dans la crainte, ou pas couler de bord,
Ou pas pour la lose call pour la vérité. Ou pas pour les langues de bol en coin bouchou pour la vérité. Dans l'étude nous fait le samedi, nous jouons Daniel te délivrer message la couille sans détour. Nous, ouais, c'est parce que l'été vive dans la crainte de l'Éternel continuellement, que le pas hésiter les pour délivrer parole, bon Dieu. Ou à tes salles, l'été à côté. Qui l'a pour exercer la crainte, ça? La Bible a dit continuellement. C'est un lifestyle pour vivre dans la crainte de Dieu. L'idée où doit vivre dans la crainte. Et donc, si on vit dans la crainte, il y a un heureux monde qui vit dans la crainte de Dieu continuellement. Monde qui vit dans la crainte de Dieu, nous venons en anglais, on dit qu'ils sont blessés. Ils sont bénis. Si ou pas jamais entrer sortir pour vivre dans la crainte toujours la crainte ça dépend de Jean Bagalafi tout nous joignons des moun tout yo pas tout temps bien ça comme un lifestyle pour yo honorer bon Dieu pour yo bay bon Dieu respect pour bay bon Dieu louange pour ça le mériter. Je me rappelle que l'église américaine, plusieurs fois, les pasteurs ont prêché. Par exemple, si la prêché, il touchait un sujet au monde ou bien un bagage ou une guerre. Et puis, ou monde dans chaque coup, parce qu'il a prêché, il a déposé un dîme. Même là, il parlait après ma comme pendant qu'il a prêché, il a sous escalier, il a déposé comme, il a déposé comme, il a déposé comme. Et puis après, cette temps, il a pas malade, il n'a pas déposé comme encore. Ou pas, je m'en levé à déposer comme. Toutes les pasteurs, c'est malade, il a prêché depuis on parlait de maladie. Là, il a déposé comme. C'est comme ça, il y a des gens qui pensaient que l'elle a un problème ou bien si malade, que l'il va tirer attention, bon Dieu, avec comme. Et s'il pas malade, il va dépenser, il va déposer comme encore. Bah, ou cap pas comprendre plusieurs fois l'on regarde la télévision elle est pas prêcher dans certaines l'église américaine ou mon a pleuvé ou bien si on dit une parole qui fait qu'elle est content il lever à le déposer comme c'est comme ça culture pas oui mais la Bible on doit vivre continuellement. Ou doit veiller sous tête. Pour kembe vie ou pas pour vivre dans la crainte de Dieu. Proverbe 2 nous te lit comme supporting verse là. Dans verset 4 à 5. Nous doit rechercher pour vivre dans la crainte. Rechercher pour l'atmosphère ça, pour gagner la sagesse. La crainte qui est le commencement de la sagesse, ou de rechercher quand on a l'argent, ou de poursuivre les quand on a poursuivre vos trésors. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui bat la sagesse. L'Éternel, c'est sagesse et seulement de la bao. Avec la sagesse, sentir la vie ou à pas platir. Parce que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. L'homme n'est pas capable de diriger tête-là. Sans la sagesse de Dieu. La crainte de l'Éternel faut arrêter dans la parole. Parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu qui sortit l'embouchelé, ou a besoin de sagesse et intelligence.
Ou a gen discernement lor ete nan obéissance lor ete nan la parole de Dieu. Ou pa ka rete nan désobéissance, rébellion, têtu, lè ou pa la vè ou. Parce que sou gen discernement lè ou fò wè. Ou ap pale, ou ap pre lumière jaillit nan brenou. La sagesse ap antre nan cœur. Ou pas le réfléchir. Sous détour ou bien sous dérapage, là où faut avoir raison. Ce ben passé, à me rappeler, moi, je voulais un voicemail by un monde. Et puis, il était fait un monde triste, crier. Et puis, je vous ai voir ce mail là. Même 3 jours après, je dis, pourquoi je ne peux pas parler dur avec mon nom? Mais le malheureux de voice, je vous ai voir mon nom. Je suis confortable parce que je ne peux pas dire parole pas. Je ne peux pas dire la propre. Et vérité pas pour me déballer, pour me faire la raison. Il a dit exactement sa parole, la, ça la Bible dit. Et il était à l'aise. Parce que pas de parole, pas. Mais c'est la parole de Dieu, il me dit que tel comportement qui te fait mon bagage, mais qui genre, mais ça la Bible dit à propos de ça. Laissez avec la parole de Dieu, ou bien au monde, ou pas au monde, ouais. Raison? Ou pas gen problème parce que la parole là au balé parce que la réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, la parole de Dieu. Et la sagesse a kebe ou pour rester dans voie bon Dieu pour pas tomber dans chemin malheur, pour pas tomber dans chemin péché, pour soudainement destruction pas tomber sur vous tout. Il va tomber sur vous tout. Avec ou même qui campe la famille ou dans pile bagarre ou kabe vite. Parce que la crainte de Dieu a kembo dans la parole. C'est seul genre pour éviter certains problèmes dans la vie. Parents d'ici cœur, restez open. Même Jean Jésus t'a montré blessure, il y a disciples. Ou même ou doué, restez open. Pour guérir, pour changer. Chacun n'a pas de temps en temps, dans l'action, dans la parole. La Bible a dit, ou heureux, ou dans la volonté de Dieu. Restez continuellement dans la crainte de Dieu, pas in and out. Restez dans la parole de Dieu. Et pour finir, m'a fini avec Psaume 103 qui dit la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. C'est héritage par gain. L'orité dans la crainte de Dieu, la prêter pour petit tout. Puisqu'on te vive dans la crainte de Dieu, même sous parole l'antimonou, mais là pour héritage. Parce que moi-même, les parents m'étaient vivants, je t'ai montré mon chemin, je ne suis pas suivi. Mais comme,
dans la vie, yo, yo te dans la crainte de Dieu. Même moi, kounye, m'a parlé parole sagesse avec nous. Dans la crainte de Dieu. Et mais c'est chaque jour. Et rester dans la crainte de Dieu. Continuellement. Et wap fèche, wap lan chemin du bonheur dans la crainte de Dieu. Amen et amen. Merci Seigneur. Mon Dieu. Et à merci pour servante là, pour parole ça yo. Il voye ban nou. Nous appliquer parole yo bien-aimé. Et qui dans la crainte de Dieu. On devine à marcher dans la crainte de Dieu. Les bagailles nous capables d'atteindre nous parce que pour les bagailles pour nous faire pour nous gagner crainte pour bon Dieu pour nous capables de vivre bien devant de nous gagner crainte pour lui, c'est pas pour les hommes nous gagner crainte, c'est pas pour pasteur, c'est pas pour chez l'église, et bien c'est pour bon Dieu. Un chrétien gagner crainte, il n'y a pas de problème l'église côté lié le quand c'est chrétien lié à tel qu'on est Dieu bon Dieu sur lui. Bien. Non, amen. Merci pour parole ça. J'aime ça pour moi ça. Le Seigneur vous est bon nous ça. Et bon Dieu pour passer nous tout bagage fin accompli, jour fini. Seigneur va venir. Et dans la crainte, dans la sanctification, les louer chercher nous. Rejoignez-nous. Méditation par canal Seba. Bien-aimés, nous vivons dans un moment ça. Au fond, le moment ça, c'est le moment où nous parlons d'intercéder pour le ministère là, nous parlons d'intercéder pour la jeunesse, pour le frère nous, pour le pays nous, et pour l'Amérique. Côté de notre vie là, c'est le moment où nous vivons pour nous capables d'aller à la prière. Et chaque bien-aimé, nous, qui est sur l'île là, pour aller au téléphone, pour être capable de faire les voyons ensemble avec nous. Pour nous capables d'aller chercher Seigneur dans la prière. La prière, là, je suis toujours aimé faire pour le ministre là, pour acheter par la famille, et chaque éducateur, chaque éducatrice qui souligne là, qui travaille, vraiment des bons dieux pour le faire nous être dans la fête, et pour le faire nous être ensemble, pour nous capables de toujours gagner même chaleur, pour le mettre l'amour, dans le cœur nous, l'une pour l'autre. Et pour nous vivre ensemble, ça attend toujours les mettre division. Mais si nous étions la faille, mon Dieu, si nous étions connectés, si nous étions dans la tête, bien le Seigneur va faire nous faire exploit avec le travail. Ça, avec la... Il va lever voir nous pour nous prier le Seigneur pour la ministre.
Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les choses de la terre. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, Papa, oui, Papa notre Moi, je joins ce coup
qu'on a pris les appuis. Jésus, c'est où qu'il est livré. C'est où que sauveur capitaine. Jésus, c'est où qu'il est livré. Nous allons aller devant le Seigneur avec la jeunesse, nous allons prier et jeunes nous, pour petits nous, pour petits frères, nous, pour petites familles nous, pour jeunes en Amérique, pour jeunes en Haïti. Et pendant la prière pour jeunes nous, mais bon jeune garçon qui a étudié au Mexique, qui va porter le bien pendant un jour, c'est un docteur. Et à l'aide des douleurs, il a fait le mal pour que lui. Et le docteur dit qu'il y a un bon que lui qui est enflé. Et malgré la même médecin, mais on connaît le Seigneur, c'est lui-même qui vaut le docteur là. Il s'est placé tout le peigne, tout le cellule dans le corps. Les gens ne parlent pas bien, ils connaissent les raisons. Il y a des gens qui souffrent de sinusite. Et le docteur dit que c'est dans chercher l'air. C'est dans fait faux pour le respirer, c'est problème ça présenté pour lui. Donc, on est le Seigneur, c'est lui-même, le grand médecin par excellence, tout l'autre chose, c'est le médecin qui tient des toiles gaz, qui tient des plateaux pour le Seigneur, qui tient des gants pour le Seigneur. Donc, on va le côté le Seigneur pendant la prière. Je n'ai pas assez David pour pas nous va présenter, il nous va lever pour moi dans la prière. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait dans la demeure du silence. Notre Dieu, notre mauvais céleste, Papa, nous sommes Jésus-Christ. Maintenant, nous avons approché des points avec jeunesse, Nous portons devant. Jeunesse, nous portons devant.
Alléluia.
Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous approchons de notre Seigneur avec Haïti, mon Dieu. Mon pays qui a plongé nos pouces en fond, pas des personnes qui calonnent mes bras. C'est pas même pas au Seigneur qui vous braille, la plongée et la noie. Nous pensons à monter au lit pour vous, Haïti, mon Dieu. Haïti, vous êtes capable de noyer. Haïti, vous êtes capable de rendre un Seigneur martien. Vous êtes capable de vous aller dans tout le monde, dans tout le monde. Je soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous comme aussi nous pardonnons aux fautes qui nous sont offensés. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni dans les mêmes moments de prière que nous avons passé. Nous saluons tout le monde qui souligne là. Nous disons bonne journée, bonne semaine tout en le Seigneur Jésus. Et nous fait place à ce bon Dieu. Lucie, après bon temps avec vous. Amen. Moi, je recevoir dans le nom de Jésus, la paix, bon Dieu, à vous, tout sœur Aïssia. Nous disons bon Dieu, merci, et non, que la grâce de Dieu et l'amour de Jésus-Christ soit votre partage. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Moi, salue nous tous qui soulignent, au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu, Amen. Merci. Bon Dieu, merci pour bonté, pour miséricorde. Li. Et c'est chaque jour, nous avons découvert qui mon qui mon Dieu noir. Et c'est chaque jour, nous avons goûté le Noël pigou. Nous avons que bon Dieu noir, le pigou. Et c'est chaque jour, nous prenons décision pour nous rester collés sous lui. Nous disons bon Dieu, merci. Et nous disons un grand merci à Sœur Aricia qui t'a dirigé pour nous. Et un grand merci à Sœur Myrta qui t'a porté le message du jour. Que bon Dieu dans infini bonté li capable mettre yo en bazel li afin que yo capable gagner par esprit de la crainte de Dieu afin que yo capable continuer travail pour bon Dieu mais pour pas connait que travail là c'est pas c'est travail pa yo mais c'est travail pour y a fait pour le Seigneur afin que le Seigneur capable bénir de toutes sortes de bénédictions car nous un monde qui a la crainte de Dieu monde qui travaille pour bon Dieu monde qui était en bazel bon Dieu nous qui bénédiction que recevoir nous dit bon Dieu merci pour ces aventures nous dit bon Dieu merci pour vous même qui toujours là qui pas jamais fatigué qui toujours répond présent dans l'invitation que bon Dieu fait où nous dit bon Dieu merci pour vous même que bon Dieu bénit que bon Dieu protéger et que bon Dieu passe ensemble avec vous.
et ou même qui monte pour la première fois, nous disons bienvenue, bienvenue la caille papa. Oui, que bon Dieu lui-même qui te prend au matin, qui te fort venir pour capable tendre des paroles, pour capable participer avec nous, pour être capable communier ensemble avec nous, que bon Dieu lui-même est capable bénir, est capable protéger et capable passer ensemble avec nous. Amen. Nous disons bon Dieu merci. Mon cap et Dieu pour nous matin, c'est Diakonès Joinville. Mon cap est béni pour nous matin, c'est Diakonès Joinville. Lecture que nous avons pour nous lire aujourd'hui, c'est 2 Chroniques 30, 31 et 32. 2 Chroniques 30, 31 et 32. Et nous gagnons demain soir à 8h30. Nous gagnons à la découverte des femmes de la Bible. Nous allons découvrir Suzanne. C'est une grande dame que, qui méritait pour nous parler de lui. Donc, nous avons demandé pour tout le monde, pour nous là, pour nous inviter l'autre monde, pour nous capables de connaître qui monde qui était Suzanne. Et qui ça, le Seigneur t'a fait pour lui. Donc, demain soir, à 8h30, nous allons découvrir Suzanne. C'est avec, cette fois, c'est pas avec une dame qu'on va le découvrir. On va le découvrir avec Pasteur Carl et qui va le donner en conférence sur Suzanne. Vendredi matin, 6h, nous avons l'aurore en prière. C'est Sœur Nicole qui a dirigé pour nous et c'est Sœur Lucie qui a porté le message. Et samedi, dans la soirée à 8h, nous avons une étude biblique nous, pour ne pas rater. Étude biblique est très importante. C'est avec la parole que nous avons ouvert les portes du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ce moment-là, je souhaite tout le monde une bonne journée dans la paix de Dieu. Et à nous disposer que nous, pour nous capables de recevoir la bénédiction qui sort en haut dans le ciel. La bénédiction qu'on va partager avec ceux-là que mon Dieu a mis sur vous. Car mon Dieu fait de vous une source de bénédiction. Et que bénédiction, ça, l'y aller. Côté que nous-mêmes nous pas capables de vivre. Et que grâce mon Dieu accompagne ceux-là qui besoin qui cap chercher face mon Dieu. Bénédiction que Jacques Joinville va le prononcer pour nous. Amen. Sœur Mianta, on va prononcer la bénédiction pour nous-mêmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent sur nous, sur notre maison, sur notre famille et particulièrement Jodia. Restez avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Amen. 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 Bonne journée à tout le monde. Que bon Dieu bénisse. Bonne journée. Shalom, shalom. Amen. Encore une fois, merci à Sœur Aricia, merci à Sœur Mianta, merci à chacun de nous-mêmes. Bonne journée. Amen. Bonne journée. Amen. Bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée à vous.